Mais en même temps, c'est une maison où tout le monde a des petits privilèges. Les mecs, ils sont 14 semaines de vacances. Pas tous, c'est ce que je dis. C'est quoi l'avenir, alors, la maison de la radio? C'est compliqué. Mm-hmm. Ça nous coûte de plus en plus d'argent. Et c'est justement c'est ça que je voulais en venir sur un point. Parce que Nolo n'a pas abordé, évidemment. Mais moi, il y a quelque chose... Non, mais... C'est le « évidemment » qui me fait peur. Ben, oui, évidemment. Allons-y. C'est que Radio France, à qui parle Radio France? À part les profs et le petit milieu parisien. Non, je dis pas... C'est la matinale la plus écoutée. Mais oui, c'est l'audience quand même du matin. Laisse tomber ton étiquette RTL, Eric Zemmour. Attention, là. Je ne dis pas qu'ils ne touchent que les profs et les milieux parisiens. Je n'ai pas dit ça. Il y a beaucoup de gens qui les écoutent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que, idéologiquement, c'est... excuse-moi, il y a un sectarisme à Radio France inouï. Là, c'est vraiment la gauche bien pensante dans toute sa splendeur. J'écoute tous les matins. Une majorité de Français le matin. Mais je ne dis pas que les gens n'écoutent pas. Je ne dis pas que les gens n'écoutent pas. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que l'espace idéologique et politique de Radio France est un peu étriqué. Or, c'est censé être le service public. Mais ils le revendiquent eux-mêmes. Ils appellent ça les valeurs du service public. Je sais parce que moi j'ai même entendu Zemmour sur France Inter. Une fois en 10 ans. C'est pour te dire, même Zemmour, il va... Non, on peut pas vous réinviter à chaque semaine comme à la radio. Non, mais c'est injuste parce que on dirait que l'idéologie c'est l'exclusivité de Radio France. On peut pas complètement abandonner l'idéologie. C'est quand même les plus sectaires. Voilà. Non, mais t'as raison, Europe 1, ils sont pas mal aussi. Alors RTL, ça va, RTL, t'es content d'RTL? Je dirais que c'est plus diversifié. Ah, très bien. Bon, on est ravis de l'apprendre. On va passer maintenant.